Bonjour. Donc je m'appelle Yannick Perrou, je suis développeur Python chez PeopleDoc et ce soir je vais vous parler de base de données. Donc petit disclaimer, globalement la cible de stall ça va être les gens qui utilisent régulièrement SQL, que ce soit via un ORM ou sans, et qui globalement préféraient faire autre chose. Alors pourquoi PostgreSQL spécifiquement? Déjà parce qu'il y a pas mal de différences entre les bases de données sur la gestion des types et j'avais pas envie trop de rentrer là-dedans. Et puis parce que, de mon point de vue, PostgreSQL, c'est un petit peu la base de données par défaut, quoi. Si demain vous créez un nouveau projet, que ce soit un tout petit projet perso ou un énorme projet, pour versionner vos fichiers, vous allez utiliser Git, vous n'allez pas vous poser la question. Et puis peut-être que plus tard, vous allez utiliser autre chose si vraiment vous avez des besoins très spécifiques. Ben, PostgreSQL, c'est un peu la même idée, en fait. C'est une base de données qui est, au niveau des bases de données relationnelles, c'est clairement la meilleure en open source. Et même par rapport à des bases de données NoSQL ou autres, en fait, elle est tellement versatile que dans beaucoup de cas, ça reste le meilleur choix. Au niveau des types qu'on a dans PG, donc là c'est un petit listing et encore c'est un peu un résumé parce qu'en fait, ça, par exemple, Integer ça recoupe plusieurs types. Il y a les small ints, les big ints, les séquences, etc. Mais voilà, globalement ils sont structurés dans différentes catégories. On a les types de base, hein, les ints, le texte, tout ça. On a des types un peu plus complexes, par exemple de mettre plusieurs choses, de regrouper plusieurs informations, comme par exemple les arrays ou comme les types de plutôt documents, comme le XML ou JSON. On a les types géométrie, bon, qui ne sont pas forcément super utilisés, sauf quand ils sont étendus avec PostGIS, qui permet de faire des requêtes avec des données dans l'espace. Donc là, c'est extrêmement puissant. Et puis, bon, on peut aller plus loin, définir ses propres types, définir des types composites, donc en regrouper plusieurs ensemble et tout, on peut aller vraiment loin. Ce soir, on va surtout parler des arrays, du JSON et des enums. On va commencer avec les enums. Donc l'idée des enums, c'est vraiment la même chose que dans un langage de programmation classique. Voilà, ça regroupe un ensemble de valeurs. Et en fait, juste, ça va mapper donc un label, un nom compréhensible par tout le monde, avec une donnée int dans la base. Donc du coup, ça va prendre beaucoup moins de place que si on stockait le label en texte directement. Sachant que si on multiplie donc cette colonne texte par des millions d'entrées dans votre base, ça peut à la fin faire vraiment beaucoup. Et tout comparé, on va dire, à utiliser directement un int, bah vous avez un label qui est plus simple à requêter, plus simple à comprendre. Ça peut vous aider dans des exports pour des requêtes de BI, des trucs comme ça. Un tout petit exemple rapide, j'ai une bibliothèque, j'ai des bouquins, je veux leur associer une catégorie à chacun. Je crée un enum catégorie et je crée ma table et puis on voit que j'ai un champ catégorie qui est de type catégoriste. Donc vraiment l'enum c'est un nouveau type dans PG. Et si demain je veux ajouter une nouvelle catégorie, il faudra que je fasse une migration pour ajouter le type à l'enum. Voilà, bon, c'était un petit exemple juste d'insertion. Donc on voit à tout à droite que j'utilise directement Fantasy ou Novel et c'est ce qui apparaît aussi. Même si en interne ça sera vraiment un int qui sera utilisé par PG. Un cas un peu plus intéressant, c'est les arrays. Alors, les arrays, c'est un peu un débat parce que, dans le sens où, pendant très très longtemps, tout ce qui était les bases de données relationnelles, l'idée, c'était d'utiliser ce qu'on appelle la sort normal form, donc la forme normale. Donc, en gros, dans une ligne, une colonne ne doit contenir qu'une seule valeur, quoi. C'est très unitaire. Et donc, si vous devez stocker plusieurs choses, bah, vous devez faire une autre table, mettre des entrées dans cette table et puis avoir une foreign key, en fait, qui va pointer sur l'autre. Sauf qu'en fait, concrètement, des fois, c'est un énorme overhead de faire une nouvelle table si on veut juste trois valeurs ensemble. Enfin, voilà. Donc, c'est pas forcément mal d'utiliser les arrays. Et on va voir qu'il y a plein de cas en fait où ça peut même être très très intéressant. Alors là, dans le cas que je vais montrer, enfin, dans ce premier cas, c'est quand on veut stocker vraiment un array. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'avais des catégories sur mes livres. Enfin, j'avais une catégorie par livre. Je pourrais avoir des romans de science-fiction. Du coup, je pourrais stocker à la place un array de catégories, en fait. Et donc, du coup, ça marcherait plutôt bien. Comparé à si j'avais une table catégorique, une foreign key, etc., je vais éviter en fait pas mal de joins. Et donc, du coup, in fine, je vais réduire quand même beaucoup la taille de ma base, puisque beaucoup plus petit sur le disque, en fait, de stocker juste un array par ligne, plutôt qu'une nouvelle table avec des nouveaux index, etc., etc. Et dans toutes les bases de données, quand on gagne en espace, on gagne en cache, on gagne en disque, on gagne partout en fait. C'est un peu une des clés de l'optimisation. Deuxième utilisation des arrays qui est très intéressante, c'est dans tout ce qui est agrégation en fait. C'est-à-dire que
c'est intéressant de stocker des arrays, mais c'est encore plus intéressant finalement des fois de pouvoir retourner un array sur une requête. Et donc du coup, les agrégations SQL, c'est un truc que je pense tout le monde a utilisé à un moment ou à un autre, puisque par exemple, quand vous faites un count étoile sur une table, c'est une agrégation. Globalement, vous allez prendre toutes les lignes de votre table, peut-être avec un critère de recherche, et puis vous allez les agréger dans un compteur. Bah, là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais d'agréger en fait dans un tableau. Et c'est particulièrement intéressant pour traverser des fois des many-to-many. Donc, par exemple, si on reprend mes bouquins de tout à l'heure, je vais avoir ma table bouquin, mettons que j'ai une table auteur avec plein d'informations sur mes auteurs et tout. Et je veux lier les deux et je peux avoir plusieurs auteurs par bouquin. Donc en général, en SQL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table de jointure qui, chaque entrée dans ma table de jointure, va lier un bouquin à un auteur. Et donc du coup, je pourrais avoir plusieurs entrées pour le même bouquin, plusieurs entrées pour le même auteur. Si je veux faire une requête web, par exemple, où je veux afficher chaque livre que j'ai et ses auteurs, ce qui est voilà, un truc assez classique finalement, avec un ORM dans le cas normal, en général, la plupart des ORM, ce qu'ils auront besoin de faire, ça va être de faire une première requête pour récupérer tous les livres, une seconde requête pour récupérer tous les auteurs, alors des fois en filtrant selon les livres qu'ils ont déjà récupérés, et après ils vont devoir refaire un join en fait en mémoire, ils vont faire un tri en mémoire. Et ça prend énormément de ressources, ça prend de la mémoire, c'est vraiment très peu optimal. Et en fait, si par exemple dans mon cas où je voulais juste le nom des auteurs, j'ai clairement pas besoin de faire tout ça. Donc là par exemple, c'est une petite requête donc qui fait exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors la petite partie qui fait peur au milieu, c'est une requête, c'est une sous-requête, mais bon, c'est pas très compliqué une fois qu'on a écrit une fois, c'est fini quoi. Et donc l'idée, bon bah je récupère le titre de mon livre sur la table livre, puis après donc j'ai ma sous-requête qui cette fois va requêter la table auteur, va faire le join avec ma table au milieu, donc c'est la table de jointure, ça va être books authors, et du coup je vais dire SQL, ben fais-moi une agrégation de tous les names, et donc on voit le résultat en bas, ça me renvoie bien un tableau avec toutes les données. Un autre type vachement intéressant dans Postgre, qui finalement est assez proche des arrays, c'est l'idée de stocker du JSON. Donc, tout comme les arrays, on peut vraiment créer une colonne de type JSON dans notre base. Alors, on ne peut pas créer une table hein, de type JSON, c'est vraiment une colonne dans une table ou plusieurs colonnes, hein, peu importe. Et l'idée, ça va être un petit peu de faire du schemaless quoi, sur quelques données. Globalement, si vous avez juste besoin de stocker des métadatas sur des documents, peu importe, et que ça, vous voulez que ce soit en schemaless, bah plutôt que de mettre toute votre table, voire toute votre base de données dans Mongo, juste pour gérer ce petit truc en schemaless, bah vous pouvez faire l'inverse en fait, et tout rester dans un système relationnel avec tous les avantages que ça, et puis juste passer cette petite partie en schemaless. Et en fait, on a énormément d'avantages à utiliser du JSON quand même dans PG. Il y a des index même très très puissants, vous pouvez vraiment aller traverser les documents JSON pour les indexer. Vous avez énormément de fonctions et d'opérateurs, alors qui sont un peu bizarres à utiliser, mais qui, une fois qu'on sait le faire, vraiment sont super puissants. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose, c'est stocker du JSON. C'est pas non plus forcément la meilleure pratique au monde, hein, c'est à utiliser dans des cas un peu particuliers. Nous, on l'utilise voilà, pour des cas de métadonnées ou des trucs comme ça, ou des identifiants de BI des fois qui vont changer régulièrement. Par contre, une autre approche qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante, ça va être de demander de stocker des tables normales et de demander à Postgre de retourner du JSON. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'on voilà, on développe de plus en plus maintenant des API, notamment des API REST qui parlent en JSON. Et donc, ben pareil, si on reprend le schéma classique d'une requête web en API, on va faire, mettons que je veuille faire la même requête que tout à l'heure avec mes livres. Je vais avoir mon ORM avec mon modèle Books, je vais faire ma requête. Ça va donc sélectionner X objets sur ma base. Ça va les convertir en fait en texte. Le driver PG dans votre langage va parser ça, le convertir dans des primitives de votre langage, peu importe, va instancier des modèles avec ça. Ensuite, vous allez instancier un serializer avec les données de ce modèle. Ensuite, vous allez reconvertir tout ça dans des autres primitives, selon les règles de sérialisation que vous avez. Et vous allez reconvertir tout ça en JSON. Et finalement, le texte que vous allez obtenir, vous allez envoyer à l'utilisateur. Et en fait, toute cette démarche, ben, vous pouvez juste demander à PG de la faire.
Et en fait, lui, qu'il ait besoin de sérialiser donc pour parler à votre driver ou qu'il ait besoin de sérialiser en JSON, globalement, il s'en fout parce qu'en fait, il s'est tellement optimisé la gestion du JSON dans PG que c'est vraiment extrêmement rapide. Un petit exemple de requête, donc ben voilà, j'ai repris ma requête de tout à l'heure, donc tout le bloc au milieu, en fait, c'est la même requête que tout à l'heure. J'ai fait ce qu'on appelle une CTE, une requête nommée, j'imagine, en français. Donc du coup, en gros, voilà, j'ai dit, bon, bah, maintenant, considère que results, c'est cette requête, et ça, tu peux l'utiliser comme si c'était une table normale pour la durée de cette requête. Et puis tout en bas, tout simplement, ce que je dis, bon, bah, tu me sélectionnes tout ce que m'a retourné le result, et puis tu me fais une agrégation en JSON de ce résultat. Donc c'est la même chose que pour le ray tout à l'heure, sauf que cette fois, c'est du JSON. Et à la fin, ce que je lui dis, c'est tu me transformes ça en du texte. Donc du coup, là, maintenant, même si j'ai, je ne sais pas combien d'auteurs, enfin, j'aurais pu mettre des limites hein, pour ne pas retourner non plus toute ma base, pas l'idée du siècle, je vais retourner qu'une seule ligne avec une seule valeur qui sera en fait le JSON de la représentation de ma table. Donc on l'a là. Et vous voyez qu'on a bien la clé qui est title et le nom qui est auteur. Ça va reprendre vraiment les colonnes qu'on avait. Donc on peut générer du JSON très propre assez facilement avec ça. Alors ça peut paraître un peu farfelu. Enfin moi au début quand on m'a montré ça, j'étais un peu dubitatif. Et bah là ça fait 2 ans que je travaille sur un projet où on n'a aucun sérialiseur dans notre code. On passe systématiquement par la base. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir des requêtes qui prendraient 100, 200, 300 millisecondes sur des requêtes vraiment complexes avec beaucoup de données à sérialiser dans tous les sens, à des requêtes qui prennent de 3 à 5 millisecondes. Vraiment, c'est hallucinant. Très vite un facteur 100. Alors, ça dépend de ce que vous faites, hein, mais on peut très vite atteindre ce facteur. Et c'est pas beaucoup plus compliqué au final, puisque globalement, vous auriez écrit la requête qui est imbriquée. Vous pouvez même écrire des petites fonctions quoi, pour faire ça plus facilement, ou des vues, ou des choses comme ça. Donc, petite conclusion, juste n'ayez pas peur d'utiliser SQL et de lire un peu la doc, d'aller chercher un petit peu comme ça ce qu'on peut faire, comment aller plus loin avec le SQL. Vraiment, le SQL évolue très fort, sous l'influence notamment des bases NoSQL, hein, faut pas se leurrer. Et voilà, moi je trouve que c'est dommage de se débarrasser de tous les avantages qu'ont une base relationnelle juste pour faire quelques éléments. Pour finir, si vous voulez en apprendre plus sur, alors notamment sur Postgre, d'un point de vue de développeur, hein, pas trop d'un point de vue administrateur système, je vous conseille ce livre, c'est pas mon livre, hein, Dimitri Fontaine, qui est vraiment vraiment top. Il est sorti il y a pas très longtemps, il y a plein d'exemples et c'est vraiment très très bien. Et c'est tout. Et voilà. Si ça vous intéresse juste particulièrement le SQL et Postgre, dites-moi, parce que j'ai plein d'autres idées de talk. Puis on peut même faire venir des gens après qui savent mieux parler que moi de ça. Voilà. Est-ce qu'il y aurait 2 minutes pour les questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions ? Tu parlais de l'application de ce projet sur lequel tu utilisais notamment la sérialisation en JSON via Postgre. Est-ce que du coup, alors là, on utilise en fait une. Enfin, on n'utilise pas du tout d'ORM, c'est-à-dire qu'on a des requêtes en RoSQL et juste on injecte quelques valeurs du coup. Alors, pour être honnête, on a un tout petit peu de templating Jinja autour de ça. C'est peut-être pas forcément l'idée du siècle. Moi, ça me plaît, mais bon, je pousserai pas les gens à le faire. Mais après, on manipule pas mal de JSON aussi depuis Django avec l'ORM Django et ça se passe plutôt sur d'autres projets. Par exemple, en JSON, on a fait tout ce qui est les traductions. Avant, on avait une table étrangère pour tous les champs traduits qu'on avait dans notre base, donc c'était hallucinant. Et maintenant, bah, en fait, on a juste un champ de type JSON, et puis voilà, c'est tout. Sur les énums, quand tu rajoutes une valeur, qu'est-ce qu'il vous fait pour créer un nouveau type, pour migrer, et l'ancien ? Tu fais une migration de données, en fait, et du coup, ça va être alter type. Voilà. Et c'est pas comme MySQL, je connais très peu de choses sur MySQL, mais ce que je sais, c'est que quand tu crées un énum dans MySQL, il est propre à ce champ. Ça crée pas un nouveau type, en fait. Donc du coup, si c'est très dur de garder la cohérence dans tout ton schéma. Alors que là, comme c'est un vrai type, ben, si tu peux l'utiliser à plusieurs endroits. Une autre question ? Il y a des ORM qui existent, qui utilisent justement la sérialisation en JSON ? J'en ai aucune idée.
C'est l'idée. Une question à notre troll. Merci beaucoup.